C'est difficile d'analyser ce match. Je crois qu'on a fait un match dans le contenu qui était très intéressant et malheureusement on perd 2-0 ici sur deux coups de pied arrêtés. Il est vrai que, comme je disais aux joueurs, notamment en première mi-temps, avec la domination que l'on a, on doit au moins marquer un but et après mieux gérer peut-être certains contres. En fin de première mi-temps, on a remis un petit peu Nantes, en perdant quelques ballons faciles, on a remis un peu Nantes dans le cours du match, et alors qu'on était très bien. Maintenant, y a ce corner qui nous fait mal, et derrière un pénalty qui... Ça peut arriver de prendre un but sur corner ou sur pénalty, mais le problème, c'est que ça enchaîne vite, et après, à 2-0, c'est difficile de venir gagner ici, même si on est tombé sur un très bon gardien ce soir, et on s'est créé énormément d'occasions, comme à chaque match. Donc il faut garder cet état d'esprit, cette façon de jouer, et en espérant bien sûr qu'un jour, ça paye. C'est depuis 9 matchs, un petit peu, tout le temps le même discours, où sur certains matchs, on méritait peut-être autre chose. Mais aujourd'hui, la finalité, c'est qu'on a 6 points et qu'il faut vite prendre des points pour essayer de capitaliser sur ce qu'on met en place et ce que les joueurs mettent en place, parce qu'ils font beaucoup d'efforts. Ils ne sont pas avares de jeu, avares d'efforts, avares d'occasions, avares de courses. Mais à un moment donné, d'un côté, vous avez une équipe pragmatique et de l'autre côté, il y a une équipe qui n'est pas en réussite. Et voilà, c'est le football aujourd'hui de Troyes. Vous le voyez toutes les semaines, il y a des grosses séances devant le but qui sont mises en place. Après le match, c'est jamais la vérité de l'entraînement, puisque à un moment donné, à l'entraînement, vous avez pas la pression à la fois de l'adversaire, notamment aussi la pression du public. Donc c'est là où il faut avoir beaucoup de relâchement, beaucoup de sérénité pour pouvoir prétendre marquer et être décisif. Il y a aussi l'aspect défensif. Aujourd'hui, on prend encore 2 buts, donc voilà, à partir du moment où on prend des buts, c'est difficile malgré tout de gagner des matchs. Et puis c'est surtout que c'est 2 buts relativement évitables, alors qu'à part l'occasion de Colomoigny en première mi-temps, où on savait très bien que Nantes était une équipe qui attendait la faute de l'adversaire pour faire mal à l'adversaire, et on l'a vu en première mi-temps, on n'a pas été mis en danger. Donc on va s'attacher à continuer à travailler avec la même envie, le même bloc équipe, la même façon de vouloir sortir le ballon, la même façon de vouloir mettre des choses en place, et puis ça va tourner.